Tania, hein? Ah oui, c'est ça? Super. Oui. Super, merci de venir en si grand nombre un dimanche soir à 7h le soir pour clôturer en grande pompe le festival Haïti en folie. Alors je dois vous dire que le festival Haïti en folie, ça fait 11 ans d'histoire d'amour avec vous, le public, et on est très heureux de pouvoir offrir cette 11e édition de façon complètement gratuite. Donc, n'a pas ton gros bravo pour organisateur, Fondation Fabienne Cola, toute équipe là. Alors, j'en profite pour dire un petit merci particulier à des gens qui n'ont pas ménagé leur effort, qui n'ont pas ménagé leur énergie et qui nous aident matin, midi et soir pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez bien reçus. J'aimerais vraiment que vous témoigniez de beaucoup de chaleur et d'amour à nos chers bénévoles du Festival Haïti en folie, nos bénévoles qui vous accueillent, qui vont leur sourire. Exactement. Merci à nos bénévoles du festival et à toute l'équipe du festival. Donc vous savez, j'aurais beaucoup à vous dire, on serait là pour 3 jours, mais je sais que vous n'êtes pas venu là pour m'écouter, alors on y va. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, parce que moi aussi j'ai envie d'écouter Tania. Mais avant, permettez-moi de prendre le temps de remercier ceux qui nous ont permis d'avoir ce festival gratuitement cette année. Je veux nommer nos commanditaires, nos partenaires, et à la fin vous pouvez les applaudir en foule. Donc il s'agit de la Ville de Montréal, de Patrimoine canadien, de Magnus Poirier et notre partenaire principal, la Banque TD, qui nous permet d'être ici ce soir gratuitement pour un si gros spectacle et pendant toute la semaine. Merci. Alors voilà. Donc, est-ce que toujours en forme? Oui! Mounde, est pas en forme du tout? Oui! Vous êtes correct? Vous êtes OK? Super, on est prêts. Alors, j'ai la chance, nous avons l'honneur d'accueillir un de nos partenaires qui a fait le déplacement pour vous saluer. C'est la Banque TD qui est tout proche de nous et qui est là avec nous depuis très très longtemps. C'est une belle histoire d'amour avec la Banque TD qui supporte la communauté haïtienne, qui supporte la culture haïtienne et qui supporte plusieurs événements de la Fondation Fabienne Cola. J'ai l'honneur d'accueillir notre ami Durandis qui est ici aujourd'hui, qui est directeur de succursale à la Banque TD et puis c'est haïtien. Bonsoir Montréal, ça a fait. Je sais que ça paraît pas, j'ai pas vraiment un look de banquier traditionnel. C'est un peu parti.